Bonjour à tous et bienvenue sur Murescrap. On se retrouve enfin. Je n'ai pas fait de vidéo ces derniers temps parce que j'étais d'humeur un peu ronchonchon et j'avais peur de dire des bêtises parce qu'il paraît qu'il faut être sage car bientôt le Père Noël va passer. Donc j'ai préféré me taire plutôt que de vous dire des grosses bêtises. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de trois courriers avec le courrier de Jeanne-Marie et de Luciane. Et j'attendais avec impatience le courrier de Gaston pour faire la vidéo, car Gaston n'a que 6 ans. Oui, vous vous rendez compte, les filles? 6 ans. Et il me fait un courrier. C'est un vrai petit cadeau de Noël que je vais recevoir. Il y a le courrier de Jeanne-Marie, le courrier de Luciane et un courrier que j'attendais avec impatience et qui est arrivé hier. C'est le courrier de Gaston, qui est un petit garçon qui n'a que 6 ans. Et 6 ans et il m'offre déjà un joli courrier. Oh, je suis sûre qu'on va se régaler à ouvrir tout ça. Alors, on va commencer par le courrier de Gaston. Je me demande bien ce qu'il a pu faire avec sa mamie. Oh là là, il y a beaucoup de choses dans ton courrier, Gaston, là. Qu'est-ce que tu as fait? Oh là là, mais Gaston, tu m'as mis bien trop de choses, là. Tu m'as trop gâté. Oh là là. Regardez sa magnifique enveloppe avec ce petit sticker en pingouin. Oh, j'adore les pingouins. Je suis une fan de pingouins. Je ne sais pas comment tu l'as deviné, mais les pingouins et les gnomes, j'adore ça. Oh là là. Oh! Et il m'a mis une jolie couronne de Noël. Oh, c'est trop mignon. Regardez sa carte. Oh, t'as fait tous ces collages. Oh, le travail que tu as fait. C'est très très joli. Joyeux Noël. Ben moi aussi, Gaston, je te souhaite un joyeux Noël. Oh là là, elle est très très belle cette carte. Oh, oh, c'est trop mignon. Oh, oh là là. Oh, c'est mignon comme tout. Regardez, il vient juste d'apprendre à écrire. Il a écrit Joyeux Noël, bisous. Il a collé son prénom, Gaston. Oh, oh puis t'as fait des belles découpes avec des jolis ancrages, des petites étoiles un petit peu partout, le sapin. Oh là 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 là, ça me touche. Oh, je te fais des bisous, 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 bisous. Trop, trop gentil. Et puis, qu'est-ce que tu m'as mis d'autre? Parce qu'il y en a des choses, hein. Oh là là, regardez ce qu'il a fait. Franchement, moi, je ne pensais pas que les enfants si jeunes aimaient le diamond painting. Mais regardez son bonhomme de neige en diamond painting tout mignon qu'il a collé sur sa jolie pochette. Oh, oui, trop beau. On a envie de le croquer, ce petit bonhomme de neige. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce qu'il y en a mis des choses. Oh là là. Il m'a même offert des chocolats. Oh là 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 là. Je vais me régaler avec tout ça, moi. Oh, c'est mamie qui t'a dit que j'aimais les chocolats? Ouais, je pense que c'est mamie qui a dû te dire que j'adorais les chocolats. Oh là là, mais moi, je vais me régaler, ça. Oh, les filles, ça vous tente pas, ça, un petit chocolat? Oh, c'est dommage, je peux pas partager. Puis il y a une sucette. Oh là là, ça, c'est trop bon, ça. Oh, où je vais me régaler. Puis tu m'as mis plein de jolies fleurs en tissu. Oh, elles sont trop trop belles les fleurs en tissu. Oh là là, puis en plus il y a plein de fleurs en bleu. Moi qui adore le bleu, oh, je vais me régaler à faire des petites créas avec. Oh, oh non, c'est trop gentil. Oh, fallait pas Gaston. Oh là là, t'es trop mignon. Et regardez ce qu'il a mis pour Mia. Mia, c'est ma petite fille, c'est ma petite princesse. Elle était là hier et je peux vous dire que c'est une petite tornade. Je regarde ce que t'as mis pour Mia. Ouais, on va regarder ensemble. Regardez son beau coloriage. Oh,
Ah, dis donc, Gaston, t'es doué, hein, parce que à 6 ans, colorier comme ça, c'est vraiment très très chouette, hein. Puis les licornes, Mia, elle adore ça. Oh là là, elle va être contente. Et puis là, il a fait un embellissement en pâte auto-durcissante, me semble-t-il, avec Joyeux Noël. C'est pas quelque chose d'acheté, les filles, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il a fait lui-même. Oh là là. Ça me touche. Tu sais que Mia va garder ça précieusement. Je crois même que dès demain, elle va l'accrocher dans notre sapin. Ça, c'est sûr. À moins qu'elle veuille l'emmener chez elle. C'est possible. Tu lui as offert des super stickers. Alors ça, c'est bien, ces stickers pour les jeunes enfants. Parce que Mia a 2 ans. Parce que c'est des stickers qui sont en relief. Et c'est plus facile pour eux de les attraper que les stickers normaux. Ils ont un peu de mal à 2 ans. Mais là, elle va pouvoir les détacher, les coller sur ses petits dessins. Oh là là, c'est trop gentil ça pour Mia. Tu vois, Gaston, j'ai tout remis dans la pochette pour que Mia découvre ce que tu lui as offert. Oh, mais vraiment, ta licorne, elle est trop trop belle. Je sais que vous êtes nombreuses à scraper, faire des loisirs créatifs avec vos petits-enfants. Bah, franchement, Gaston, là, tu m'as trop trop gâtée, hein. Oh là 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 là. Je te fais plein plein de bisous, Gaston. J'en fais aussi à ta grande sœur Charlie qui a 10 ans et à ta petite sœur qui a 10 mois. J'ai vu la photo de vous trois et franchement, vous êtes trop trop mignons. On sent qu'il y a plein plein d'énergie et peut-être un petit peu de malice. Oui, mais c'est bien la malice. Faut en avoir. Donc à tous les trois, je vous souhaite un très très beau Noël et je ne doute pas que le Père Noël va encore bien vous gâter cette année. Je sais pas si vous êtes comme moi, les filles, mais les petits-enfants, hein, il n'y a pas à dire, hein, ça nous redonne de l'énergie. On dirait une vieille grand-mère qui parle. Bah oui, bah c'est la mère Fouras, hein, elle a pris un peu d'âge. Puis alors faire des choses avec, c'est trop trop sympa. Moi, hier, j'avais Mia et je peux vous dire que c'est une tornade. Elle est à peine arrivée à la maison que tout de suite, elle a demandé à dessiner. Et vous allez rire, elle a dormi la moitié de la nuit à la maison. Elle est rentrée chez elle à 3 h du matin. Et devinez ce qu'elle a demandé? Du chocolat avant de se recoucher. Oui, c'est ma petite fille. Elle aussi, elle fonctionne au chocolat. Alors, on va maintenant passer au courrier de Luciane avec ce joli petit Père Noël. Regardez la très très jolie carte de Luciane. Ça me touche que vous preniez le temps de faire des choses pour moi. Oh là, c'est émouvant tout ça. Elle a fait elle-même son papier du dessous en tamponnage. Elle a collé son feuillage, les demi-perles. Pour le dessus, elle a embossé à froid. Il est très joli ton classeur d'embossage. Puis elle a ancré, découpé des petites fenêtres, collé le tout en 3D. Et elle est venue rajouter une jolie étiquette embossée à chaud. Joyeuse fête avec les demi-perles. Et alors, on va ouvrir le courrier. Oui, je peux vous le montrer. Coucou Muriel, je te souhaite de bonnes fêtes de Noël, nouvelle année, nouveaux défis, mais surtout nouvelle opportunité de rire, de créer, de s'amuser. Que 2024 soit synonyme de santé et de moments précieux partagés. Oui, en 2024, il va falloir rire, créer, ne pas se laisser gagner par la morosité ambiante. C'est aussi à nous de changer le monde à notre façon, en créant et en s'amusant et en partageant. Ça, c'est une notion très importante pour moi. Ça me touche, ça me redonne du peps. Il faut voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Et ça, je peux vous assurer que ça change la vie. Et j'espère, moi, avec mes petites vidéos, vous apporter des petits moments de bonheur. On va maintenant ouvrir l'enveloppe de Jeanne-Marie. Alors, je suis désolée, Jeanne-Marie, ton enveloppe a attendu.
Mais franchement, je ne pouvais pas me permettre de raconter n'importe quoi quand j'étais d'humeur ronchon. Non, non, le Père Noël, il me surveille, attention, hein. Regardez ça, elle a tamponné son enveloppe. Il est super ce tampon. Oh, trop, trop beau. Il y a plein de choses. Oh là là, Jeanne-Marie, mais nom d'une pipe, nom d'une pipe. Oh là 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 là, il y a des fessiers qui se perdent, hein. Regardez cette carte. Oh là là. Ah, ça donne envie d'être à la montagne. C'est trop joli. Cette image de fond, elle est trop trop belle. Le petit bonhomme de neige tout mignon à côté du lampadaire qui brille de partout. Les petites étoiles et la petite pancarte. Meilleurs vœux. Alors moi aussi, Jeanne-Marie, je te souhaite le meilleur pour 2024. Passe de bonnes fêtes en famille. C'est trop, trop mignon. J'adore la neige. Oh là là. Ça me donne trop envie de retourner à la montagne. J'espère que cette année, on aura un peu de neige sur Nantes, mais c'est pas gagné cette histoire. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de vraie neige sur Nantes. Et puis l'un de mes fils est parti ce matin dans les Pyrénées et manque de bol, il fait super chaud puisqu'ils annoncent 14 degrés au pied de la station. Ouais, 14 degrés un 23 décembre. Non mais c'est pas sérieux cette histoire, la météo est complètement déréglée. Elle a fait une jolie pochette toujours enneigée avec des petites bandes d'argent comme ça. C'est très très élégant, le petit sapin qui brille de partout. Oh, trop trop beau. Regardez l'écriture de Jeanne-Marie. Non mais moi je suis jalouse, hein. J'écris comme une cochonne. Muriel, je te souhaite de joyeuses fêtes de Noël et de Saint-Sylvestre. Je t'envoie tous mes meilleurs voeux à toi et à ta petite famille pour cette nouvelle année à venir. J'espère que nous allons encore admirer plein de nouvelles créations au cours de cette année 2024. Je t'envoie toute mon amitié et gros bisous. Moi aussi, Jeanne-Marie, je te souhaite de très très jolies fêtes de fin d'année. Sa carte me fait trop plaisir, mais alors pourquoi tu m'as encore envoyé plein de choses? Oh, t'es pas sérieuse, hein. Moi, je suis pas sûre que le Père Noël passe, hein. Non, 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 non. Pas sûre du tout, hein. Alors, on va ouvrir la première enveloppe. C'est des enveloppes qu'elle a fait elle-même. Je vais faire attention parce que j'ai pas envie d'abîmer le sticker. Il est trop joli. Hop. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Oh là là. Non mais. Oh, Jeanne-Marie, es-tu raisonnable? Non. Quelques découpes que je t'avais préparées cet automne, la saison n'est plus là, mais tu les auras pour l'automne prochain. Ben oui, c'est jamais perdu, ben non. Alors ça, c'est la notion de quelques découpes de Jeanne-Marie. Non mais regardez, quelques découpes. Elle m'en a fait plein. Oh, je vais pas les ouvrir parce que la maison est rangée pour Noël, je veux pas mettre le bazar. Il y a des belles citrouilles avec le feuillage. Et là, c'est un truc incroyable. Elle m'a fait des découpes de fougères. Et ça, je suis sûre qu'elle ne le sait pas. C'est qu'avec mon mari, on collectionne les fougères. On en a, je ne sais pas combien de sortes différentes dans le jardin. Toutes plus variées les unes que les autres. Oh là là, ça me fait trop plaisir. Ça ira dans mon herbier, c'est sûr. Oh là. Puis c'est pas fini, ben non. Elle m'a fait des découpes, elle a ancré des jolis champignons. Mais Jeanne-Marie, hein, je suis désolée de te le dire, hein, mais t'es complètement folle dingo, hein. Mais ouais, t'es comme moi. Et là, dans la deuxième enveloppe, qu'y a-t-il? Alors, je ne veux pas abîmer. Voilà. Oh. Non, mais t'es pas sérieuse. Oh là là. Regardez toutes les découpes en bois qu'elle m'a offertes. Alors Jeanne-Marie, elle est comme moi, elle va chez Noz, mais malheureusement, elle trouve pas souvent la même chose que moi. C'est dommage, mais alors là, franchement, tu as trouvé des belles découpes. Moi, je ne les ai pas vues, hein. Tu vois, je suis passée à côté. Elles sont trop jolies. Oh là 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 là. Jeanne-Marie, je te remercie, mais c'est bien trop, hein. Puis bah, maintenant, bah voilà.
J'ai plus le choix. J'ai trop de choses. Entre les fleurs de Gaston et tout ce que vous m'avez offert, ben, c'est bien embêtant, hein. Mais je vais être obligée de continuer la chaîne en 2024, hein, les filles. Hein. Eh ouais, va encore falloir me supporter. On va se quitter avec ces trois belles cartes qui, je trouve, sont bien représentatives de la chaîne. On a des jeunes et aussi des moins jeunes. Je peux me permettre, Jeanne-Marie, hein, mais il y a pas loin de 70 ans qui vous séparent, Gaston et toi. Et vous voyez qu'en scrap, on peut en faire à tout âge, quel que soit le sexe, quels que soient nos moyens. On n'est pas obligé d'avoir 36 000 machines, puisqu'on peut faire plein de choses avec de la récup, du papier et des ciseaux. Il faut juste de l'amour et l'envie de partager, et ça, c'est ce que nous avons toutes en commun. Je vous souhaite à toutes et à vos proches de très belles fêtes de fin d'année. J'ai une pensée plus particulière pour celles d'entre vous qui les passeront toutes seules. Je vous envoie plein d'ondes positives. J'essaye de vous transmettre le maximum d'énergie que vous me donnez parce que vous ne savez pas combien vous me maintenez la tête hors de l'eau. Je vous aime et on se retrouve la semaine prochaine puisque la mamie de Gaston m'a envoyé un colis qui ne devrait plus tarder à arriver et on l'ouvrira ensemble. Donc, joyeux Noël, restez sages jusqu'à l'arrivée du Père Noël et après, faites plein de bêtises. Allez, ciao, ciao!